que vous avez d'autres questions sur la population ou quelque chose comme ça? C'est très rare qu'il y ait des gens qui viennent à Petrus Island. Juste combien de personnes y vivent à l'année? Je veux dire, parce qu'il doit y avoir des gens comme nous, des touristes qui y allons de temps en temps, mais globalement, les habitants, ils sont combien? Il y a 4 villes sur Petrus Island, vous savez, quand même, c'est assez. Bon, c'est 4 villages, quoi. Là, on va à Wickport. C'est la. C'est le port, en fait, tout simplement. C'est la plus grande des villes. Il y a. Oh, je dirais bien qu'on est 300, hein, quand même. Une fière population. Après, vous avez St. Helens Bridge qui va vers la montée de pour aller vers le sommet du crâne. C'est une ville. Vous voyez qu'il il baisse les yeux, il est un peu triste, tout soudainement. Il y a eu une grande tempête. Elle est à flanc de montagne, cette ville. À moitié de la ville qui s'est écroulée, et tous ses habitants avec. Il semble vraiment assez mélancolique, mais il reprend son souffle et dit... Et puis il y a les Allemands aussi. Steinmeierberg, je crois que ça s'appelle. Une ville imprononçable qui est dirigée par des... d'anciens de l'armée allemande qui viennent... qui sont venus ici parce qu'ils... Sombre histoire. Vous demanderez à William, il connaît mieux que moi c'est pourquoi ils sont là. Ces gens-là, ils sont adorables, ils participent à... Vous savez, il n'y a pas beaucoup de gens qui font régner l'ordre. Il y a deux constables à Wickport qui font un peu régner l'ordre. Leur chef, oui, leur chef est fort, un homme fort agréable. Hein. Reinhardt, il s'appelle. Et lui s'entend bien d'ailleurs avec Wickfield. Et puis enfin, vous avez la dernière ville qui en fait est plus le domaine de Wickfield, puisque en fait il y a une grande bâtisse qui trône à ce qu'on pourrait appeler le sommet du crâne, avec quelques maisons autour qui sont habitées à l'année, oui. Et ce village s'appelle très sobrement et il sourit, Wickfield, du nom de son propriétaire. D'accord. Eh ben, ça en fait du monde sur cette petite île. Ouais, c'est pas... On s'attendait pas... On est 500, même pas... Les Allemands doivent être même pas une centaine. Wakefield doivent... Je sais pas combien ils sont sur Wakefield, des étrangers qui y vont souvent, mais qui reviennent pas. Ou alors ils restent là-bas, je sais pas trop. Attendez, qu'ils ne reviennent pas? Oui, ils habitent peut-être, vous savez, c'est assez loin quand même de Wakeport. Il y a peut-être une... C'est tellement petit que les gens tombent amoureux, hein, vous savez, à côté de la grande ville, peu éloigné. Oui, vous avez pas tort. Et il y a une zone, un potentiel archéologique là-bas? Je dis ça pour Maggie, s'il faut, ce serait aussi intéressant. Oh, vous savez, ouais, il y a des légendes qui disent que sous Petrus Island, il y aurait des ruines sous-marines. Alors Wakefield, il finance des expéditions, parce qu'apparemment ça a l'air intéressant. Alors moi je comprends pas trop, c'est des trucs pour moi, pardon hein, madame, hein. Mais pour moi c'est des vieux trucs et des vieux cailloux. Mais pour le coup, potentiel archéologique, vous savez, cette île est habitée depuis l'ère des premiers anglais, et pour autant il n'y a pas grand chose. Ben je verrai ça, sur place. Oh, vous savez, chez Maggie, avec de la chance, ce sera peut-être quelque chose d'exceptionnel. Après tout, il n'y a personne qui s'est dit « Allons faire de l'archéologie là-bas, c'est peut-être une première. » Ah ben moi, je suis soif d'exploration, donc si j'ai l'occasion. La nuit tombe. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser à Henry? Ça fait longtemps que vous connaissez William? Bah, depuis qu'il est sur Petrus Island, donc une dizaine d'années. Et vous amenez souvent des personnes jusque là-bas? Non, pas moi. Moi, j'ai un bateau à vapeur. Vous savez, je fais ça pour loisir. J'aime beaucoup naviguer. Sinon, ils viennent par des bateaux de pêche, les étrangers qui viennent là-bas. C'est assez particulier, mais vous verrez que les gens sont adorables. Bon. Comment ça, particulier? Parce que parfois, vous avez des étrangers, ils viennent, ils passent, et puis on les revoit plus. Alors, ils doivent. En fait, ils vont à Wakefield. Alors, je suppose qu'ils viennent y habiter. C'est possible. Ils viennent parfois avec des bagages. Mmh. Il y a des spécialités locales sur cette île. En fait, du scousie, c'est comme à Liverpool, quoi. C'est une espèce de ragoût avec des pommes de terre et de la viande.
Bah, vous, enfin, vous venez de Liverpool. Oui, c'est un ragoût, oui. Ok, bon, bah, pas... Oui, c'est basique. Oui, c'est pas ça. Trop des paysans. Bon, j'imagine qu'il doit avoir pas mal de poissons. Oui, aussi, mais enfin, ça, c'est plutôt... Mais oui, non, je parlais... certes, la nourriture est une chose, mais je parlais d'autre chose. Est-ce que... Sur quoi l'île est spécialisée? Est-ce que, bah, je sais pas, c'est une île, c'est peut-être la pêche, peut-être. Alors, oui, on a quelques pêcheurs, mais les eaux autour de... Enfin, c'est une histoire à dormir debout, mais Petris Island est compliqué avec les poissons. Peu de poissons dans nos eaux. C'est bizarre. On n'a jamais vraiment su pourquoi. On n'a jamais énormément eu de rien du tout. Oui, on voit des baleines, parfois alors, des baleiniers qui viennent de la côte, mais sinon, nous... Alors, j'ai une question, mais pas par rapport à l'île. Est-ce que vous savez si on nous a loué un véhicule sur place? Non, vous devrez prendre le bus. Mais il a déjà été payé, de toute façon, bon, personne ne le prend, ce bus. Un bus qui relie toutes les villes entre elles, Stoffsteinmeyerberg, qui est là depuis 10 ans à peine, donc elle n'a pas été reliée par la route. C'est un bus qui vous amènera vers St. Helens Bridge, puis ensuite vers Wakefield. Ouais, c'est mieux que marcher, je suppose. Oui, bah oui. Ah bah oui, toujours mieux. Bon, le crédit est très cher, il commence à se faire tard. Moi, j'aimerais écrire un petit peu avant d'aller me coucher, donc je vais vous laisser là. Au revoir à tous. Et bonne soirée. Et bien, bonne nuit dans ce cas, et je vais rester debout pour conduire le bateau. Je vais me mettre sur le quai arrière du bateau, du coup. Et je vais regarder juste le bateau avancer, mais de manière un peu mélancolique, l'horizon de nuit. Est-ce que tu vas te coucher après? J'irai dormir après. Et moi, j'aimerais également demander la lettre à James, soit à Maggie. Je sais pas qui entre les deux long. C'est James qui l'a. Pour un petit peu essayer de comprendre ce qui s'est passé. Maintenant que la tête reposée, essayer de voir. D'ailleurs, est-ce que je m'en suis rendu compte qu'ils m'ont piqué la lettre? Ou pas du tout? Tu l'as plus sur toi? Oui, tu l'as vu quand même. D'accord. Bah écoutez, moi, si je croise Ludwig, qui me cherche devant mes quartiers, si on peut appeler ça comme ça, est-ce que vous voulez quelque chose? Oui, mais tout à fait. J'aimerais bien, James, que vous me passiez cette lettre. J'aimerais la comprendre parce que... Ah oui, excusez. Oh, désolé. Oui, parce que vous étiez trop occupé avec lui tout à l'heure. Je ne vous en ai pas parlé. Je ne sais pas vraiment quoi en faire. Je ne sais pas si je dois lui en parler ou non. Mais déjà, j'aimerais bien essayer de comprendre ce qui le rend si mal à la vue de la lettre. Oui, non, mais je comprends. Il n'y a aucun problème. Tenez. Alors, je vous la fais courte. Globalement, je pense qu'à la base, ce qui lui était destiné était le poème. À l'avant, regardez, l'écriture est belle. On voit que ça a été fait à la plume. Par contre, regardez, là, si vous retournez la lettre. Vous voyez que quelque chose qui a été écrit à la va-vite, je comprends pas trop ce qu'il veut dire. En plus, il y a un mot inconnu, alors je ne parle pas cette langue, malheureusement. Je ne la comprends pas, mais tenez, je vous donne la lettre, je vous laisse l'analyser dans votre coin. Malheureusement, je ne suis pas assez fort en littérature pour comprendre le poème, même s'il me semble un peu glauque et bizarre. Il me déplaît, en tout cas. Mais tenez, je vous la laisse. Moi, je vais aller me coucher. Passez une bonne soirée. Merci beaucoup, James. Bonne soirée. Que fais-tu avec la lettre? Alors j'aimerais essayer de lire, d'analyser un peu le poème, même si ça m'a l'air un peu, comment dire, intéressant sans être vraiment lié à l'histoire. C'est plus vraiment l'arrière qui en effet me fait poser des questions par rapport à ce qui se passe. Je te propose quelque chose. Est-ce que tu veux la lire avec tes compétences de médecin psychiatre? Pour savoir si c'est quelque chose qui te dit quelque chose par rapport à, oui, mais tout à la fait. Psychiatrie ou même les ratures, s'il y a quelque chose qui est récurrent chez les cas d'aliénés. Ah bah c'est exactement ce que j'essaie de faire, effectivement. Tu vas dans ce cas me lancer un D6, s'il te plaît. J'ai fait 1. La lettre, tu lis le poème et ce qui est griffonné derrière, comme James l'a fait tout à l'heure. Et comme Maggie l'a compris également, tu butes sur ce mot, Zahilatal, mais tu ne sembles pas plus que ça inspiré d'avoir des conclusions qui te viennent là-dessus. Je peux te confier, cela dit, en échange d'un jet de santé mentale, où tu mettras un peu plus de ta santé mentale dans le fait de te dédier en fait, à cette étude. Si le jet de santé mentale est plus élevé, je peux peut-être te donner un autre indice. Mais c'est à toi de décider, sachant que tu as déjà
2 points de santé mentale. Non, je pense que le cas de Vincent, ça me perturbe un petit peu, j'y pense beaucoup. Et même si c'est pas bien pour mon mental, je pense que même moi, je ne peux pas supporter le fait que de ne pas comprendre ce qui se passe. Donc je vais quand même tenter. On va voir. 4. Très bien. Et tu vas me relancer un dé pour savoir si tu perds de la santé mentale ou pas. Donc je dois faire 1 ou 2 pour ne pas perdre de santé mentale. J'ai fait 2. Très bien. Tu te mets vraiment à te concentrer. Tu lis chaque mot, tu prends un petit crayon et tu même fais quelques notes de bas de page. Tu essayes de comprendre qu'est-ce que c'est Zahil Atal, tu le répètes dans ta tête. Tu le répètes dans ta tête si bien qu'au bout d'un moment, tu as l'impression que tu as un peu peur, mais tu te reprends très rapidement. Alors pas de choc ni rien, d'ailleurs tu t'en fais même pas trop la réflexion. Mais ce poème, tu le sais très bien, a été écrit calmement, avec beaucoup de patience, avec beaucoup de rigueur. Tu ne l'as jamais lu partout, tu n'es pas un grand littéraire, mais tu ne l'as jamais lu nulle part, dans aucun classique anglais que tu connaisses. Pour ce qui est de l'écriture griffonnée, elle a non seulement été griffonnée à la va-vite, mais en plus avec, peut-être, tu penses, un morceau de charbon. C'est-à-dire que ce n'est même pas un crayon. Tu n'as pas plus d'informations que ça sur le terme Zahil Atal. En revanche, tu sais que le poème n'était peut-être pas destiné à Vincent, était peut-être destiné à quelqu'un d'autre, ou était peut-être un morceau sur lequel il a réussi à poser sa main et qu'il a utilisé ce papier pour écrire. Mais alors quel intérêt de le mettre dans une enveloppe cachetonnée avec un sceau en cire? Vous allez toutes et tous dormir ou il y a une autre action? Alors moi, je vais aller voir où est Vincent. Je vais m'installer à côté de lui, pas forcément parler parce que peut-être qu'il a pas forcément envie, mais tant qu'il me dit pas de partir, je reste là. Je remarque du coup qu'elle se met à côté de moi, je la regarde, je fais un espèce de un peu de sourire pas trop malaisant non plus, mais dans le sens qu'est-ce que tu fais là tout simplement? Est-ce que ça va? Pas fort pour le coup. Je m'excuse pour tout à l'heure si j'étais un peu brutal, mais il est vrai que aujourd'hui je n'ai pas reçu de très bonnes nouvelles. Est-ce que tu veux m'en parler? Ça risque de plus te choquer que vraiment m'aider dans cette situation. Donc je préfère m'abstenir de te décrire plus ou moins, mais sache juste que aujourd'hui j'ai perdu un de mes amis. Donc il est vrai que je ne me sens pas très très bien. Je comprends. C'est pour ça que je suis resté un peu de ce côté-là pour éviter de plomber l'ambiance malgré mes actions de tout à l'heure. Pas de souci. Est-ce que ça te gêne si je reste ici? Tu peux rester si tu veux, mais de toute façon, je comptais aller dormir au bout d'un moment. Donc là, je regarde encore l'horizon. D'ailleurs, je remarque que le soleil, la nuit, le ciel est assez beau pour le coup et que la mer est assez calme. Mais du coup, moi, je reste là et je repartirai quand il partira. Vous remarquez tous les deux que vous entrez dans un paysage extrêmement brumeux. Et vous vous souvenez de la réputation de cette île d'être nommée le crâne au milieu des brumes, ce qui fait que vous avez presque l'impression de passer une frontière. Il n'y avait pas beaucoup de bruit au moment où vous étiez tous les deux assis à regarder l'horizon, mais il y en a encore moins maintenant que vous êtes rentré dans ces brumes. Vous allez tous les deux dormir, vous rejoignez Ludwig et James qui ne vous ont pas attendu pour à leur tour dormir. Et alors que vous dormez paisiblement, vous vous sentez comme absorbé dans vos rêves. Vous vous retrouvez alors tous les quatre oppressés, comme si quelque chose vous écrasait, mais vous vous sentez tout de même protégé. Il fait noir, mais vous pouvez tout de même vous déplacer. Enfin, vous ne contrôlez pas vos mouvements, mais vous avez l'impression de voir à travers les yeux d'autres personnes. Vous êtes, oui, sous l'eau. Vous voyez à travers le hublot d'une combinaison de plongée. Chacun,
vous semblez incarner un personnage qui, en file indienne, avance sur un sentier très sinueux. À votre gauche, vous pouvez le voir quand votre personnage regarde à gauche, un ravin dont aucune lumière ne sort. À votre droite, eh bien, vous avez un mur de pierre naturel, évidemment, auquel vous agrippez. Oui, vous êtes sur un ravin. Vous marchez sur la paroi de l'escarpement, vous avez presque un sentiment de vertige. Et alors que vous marchez depuis un petit moment déjà, il y a sur votre droite une sorte d'enfoncement qui devient une grotte. Les lourds tuyaux qui vous relient à l'oxygène, puisque ce sont de très anciennes combinaisons de plongée, donc il faut de l'oxygène qui soit à la surface, semble un peu à bout, mais bon, il vous reste un petit peu de manœuvre. Et vous vous retrouvez alors devant ce que vous interprétez comme une porte monolithique, constituée de deux menhirs, sur lequel un troisième dessine l'encadrement de la porte. Partout, sur ces trois grandes pierres, vous remarquez des sortes de... Oui, des runes qui semblent luire d'elles-mêmes alors que vous vous approchez. Vous entrez bien malgré vous, puisque vous êtes à travers les yeux de vos rêves, sans doute, dans cet édifice, et vous remarquez tous les quatre en même temps que le tuyau qui vous reliait à l'air a disparu. Et en fait, quand vous retournez vers la porte que vous aviez vue, vous remarquez que même la porte a disparu. Alors que vous examinez la salle, vous utilisez une lampe étanche et balayez de lumière cette salle pour regarder autour de vous. Rien. Mais vous entendez au-dessus de vous quelque chose que vous n'avez jamais entendu. Quelque chose qui vous semble venir d'ailleurs. Quelque chose qui semble dire « ça, il attend ». Et au moment où, attiré par le bruit, vous levez la lampe pour regarder vers ça, vous entendez « Debout, gentlemen !» Et madame, on arrive dans une heure. Ah oui, oui, oh là là, oui. La voix du capitaine vous sort de votre torpeur et de votre cauchemar. Vous avez bien dormi ? C'est étrange, mais oui. J'aurais dû me coucher plus tôt. Vous auriez pu faire un effort pour la navigation. Ça a tellement tangué que j'en ai fait des cauchemars. Ah bon ? L'air a été plat toute la nuit. J'ai pas l'habitude de dormir dans un bateau, c'est peut-être pour ça. Bon, ça arrive. Il vous mène dehors et vous voyez enfin Petrie's Island. Il est 11h du matin. Nous sommes le 20 mars. Et il vous montre du doigt. C'est là, Wickport. C'est une des quatre villes de Petrie's Island. Si vous avez des questions, vous ferez bien de me les poser avant qu'on arrive, enfin, même si vous m'avez déjà posé pas mal de questions hier. Puis sinon, moi je serais la capitainerie, je pourrais vous y trouver. Vous pourrez m'y trouver. Vous restez ici combien de temps jusqu'à ce qu'on revienne ? Ah ben je reste ici, j'habite ici moi. Ah oui. Donc si on doit repartir, on peut vous contacter pour repartir. Oui, bien sûr, pas de soucis. Très bien. Du coup, c'est où pour vous retrouver ? Vous êtes à la capitainerie ? Oui, c'est à Wickport. Vous verrez, Wickport est pas bien grande. Hein. C'est quoi, c'est un bar ? Non, c'est la... Bon, il y a quelques quais, on affrète parfois des bateaux ici, c'est la capitainerie, ça se voit, vous inquiétez pas, c'est marqué. D'accord. Il affrète son bateau et il descend. Un homme, un peu, qui semble assez droit, assez posture presque militaire, vient le voir et lui dit « Qu'est-ce que c'est que ça, Robert ?» Enfin, mais vous avez... Mais encore des étrangers. Enfin, c'est pas... qu'est-ce que c'est que ces manières mais... Et Roberts qui semble un peu lui expliquer, il dit pas « Ah non, mais c'est... Ah non, enfin,
C'est très simple, ce sont des gens qu'on m'a demandé d'amener, enfin j'ai été payé, c'est mon métier de faire ça. L'homme que vous avez identifié comme étant un des constables de l'île, un constable, c'est une autorité policière en fait, se frotte le front et il va vous voir directement. Et il vous dit... Vous êtes ici pour chercher des problèmes, c'est ça ? Pas du tout. Non, du tout. On a une invitation, on vient pour un anniversaire. Oh, croyez-moi, les problèmes... À Wakeport ? Je préfère ne pas l'avoir. Oui, exactement. Vous venez pour un anniversaire à Wakeport ? Oui. Tout à fait, pas des têtes du coin, quand même. C'est parce qu'on vient pas d'ici, c'est peut-être. C'est pour ça qu'on vient en bateau. Vous entendez à son accent qu'il ne vient pas non plus de Petrie's Island. Il n'a pas l'accent de Robert. Est-ce qu'il a un accent allemand ? Pas du tout. Non. Ok. Écoutez, des étrangers comme vous, il y en a plein qui viennent tous les jours et on les revoit plus jamais. Ils vont voir le taré là-haut, là, sur son crâne. Ça m'étonne que vous ne trouvez jamais les étrangers si vous vous comportez comme ça avec chaque étranger que vous rencontrez. Eh bien, écoutez, on verra si je vous revois pour commencer. Bon, ce taré est actuellement un de nos amis proches, donc. Je vais vous dire que s'il y a, je ne pense pas qu'il y ait de soucis pour nous. Ne vous en faites pas. Au moment où tu dis que c'est un ami proche, il y a quelque chose dans son regard qui se débloque et qu'il a un regard assez suspicieux. Vous avez un problème, monsieur ? Et en plus, vous nous dévisagez. Ça, c'est pas beau, ça. Le constable. Presque abandonne, il tourne sur ses talons et il s'en va. Et Robert vient vous voir, Henry, le capitaine, vient vous voir et vous dit désolé pour ça, c'est Howard, c'est l'un des deux constables du... Non mais ne vous en faites pas. Quel accueil chaleureux. On s'étonne qu'il y ait des gens qui disparaissent avec ce genre d'autorité. Non mais il faut se dire que ces gens-là sont seuls, principalement sur leur île. Le racisme, même entre même personnes du même... Oui, le changement fait peur. Ah, le changement fait peur, exactement. Vous voyez, James, il a une cravate. Je pense que cet homme a dû paniquer, rien qu'en voyant ça. C'est vrai que peu de gens ici sont vêtus comme ça, monsieur Langdon. Désolé pour... Bon, vous verrez, l'autre constable est vraiment sympa... Howard, il a été appelé de renfort de la part du continent, l'ancien constable celui qui remplace, il est mort à St. Helens Bridge. Et c'est assez compliqué, c'est des histoires. Qu'est-ce que je peux vous dire sur Wakeport ? Bon, on est en avance. Bon, je suis vraiment désolé, mais vous pouvez... Il y a des choses à faire ici, si vous voulez, enfin, si ça vous intéresse. Vous excusez pas pour une avance ? Oui, il y a la capitainerie... Oui, il y a le bureau des constables aussi. Vous pouvez trouver Francis, lui, il est sympa, il est très gentil. C'est le non, mais est-ce qu'on a vraiment intérêt à y aller pour le coup ? On nous attend pour un anniversaire. J'ai pas très envie. Oh, vous inquiétez pas, Howard, il patrouille. Non, vous en faites pas. Non, mais Vincent, en fait, oui, on va bien aller, mais si on est à l'avance, le bus, lui, ne l'est pas forcément. Non, mais justement, si, le bus est dans 2 heures, vous avez le temps. Par rapport au forfait de bus qui apparemment ont déjà été payés, il faudrait peut-être aller les récupérer quelque part. Parce que je ne sais pas si vous avez pris de l'argent sur vous, mais moi, c'est pas le cas. Oh, je pense j'ai toujours quelques petites économies sur moi, voyons. Mais le bateau a été payé par monsieur... pardonnez-moi, Manfred. Et le bus a été payé par monsieur Wakefield. Je vous ai dit quoi ? Je vous ai dit oui... La capitainerie, bon, il y aura moi, il n'y a pas très grand-chose, pas vraiment grand-chose d'intéressant là-dedans. Il y a le bureau des constables, vous pouvez trouver Francis, voilà. C'est l'autre constable, justement. Il est sympa et pas comme Howard. Et surtout, est-ce qu'il est compétent ? Francis, oui, c'est un ancien militaire assez aguerri. Ça fait au moins quelqu'un de compétent sur cette île. Ensuite, vous avez... vous avez le bar. J'allais demander s'il n'y avait pas un café. Oh, il n'y a pas de café, on n'est pas sur le continent, madame, pardonnez-moi. C'est Elliot qui le tient, un chic type. Bon, allons voir Francis en premier. Vous avez aussi la petite Harper, elle a une librairie en centre-ville. Une librairie ? Ça serait intéressant. Oui,
Ah, comment elle s'appelle déjà ? Helen Harper. J'ai connu son père, il était baleinier. Et je vais pas vous mentir, ça m'intéresse tout de suite un petit peu plus. Et ensuite, vous avez vous avez les quais. Alors, il y a Allen, c'est mon boss, en fait. C'est le maître des docks. Bon, je sais pas trop... Lui, c'est l'historien du coin, quoi. Il était là... il était là avant les colons, on pourrait dire, presque. C'est un chic type, aussi, ouais. Dans les quais, il y a cet historien, comme l'a dit, ça pourrait peut-être vous intéresser, Maggie, après oui, tout. Oui, c'est vrai. Mais le bar, je n'y vois pas beaucoup d'intérêt, personnellement. Par contre, la bibliothèque, je dois vous avouer que j'aimerais y passer. Je pense que tout peut être intéressant, vous savez. Personnellement, juste pour analyser un petit peu, voir l'état de santé mentale des gens en général sur une île aussi un petit peu reculée, mais qui a pourtant les mêmes habitudes que la ville, ça peut être intéressant. Il est vrai. Le bar, c'est là où il y a tous les potages. Vous savez que les gens ne sont pas des cobayes. On le savait. Alors, oui, mais c'est en apprenant, étudiant les gens qu'on apprend les problèmes avant qu'ils arrivent. Mais moi, ce qui me pose problème, c'est que dans ce bar, j'ai peur qu'on croise l'autre constable, cette espèce d'énergumène. Je n'ai pas envie de le revoir. Et à mon avis, il doit passer sa journée au bar, parce que je ne le vois mal patrouiller, personnellement. Pendant que vous débattez, Roberts part vers la capitainerie, en fait, il va faire son travail. Où allez-vous tous ? Bah, j'aurais bien voulu savoir où il est l'arrêt de bus. Il est en centre-ville. Eh bien, écoutez, moi, je sais pas où vous voulez aller, mais en tout cas, moi, ce qui est sûr, c'est que je vais tout de suite aller voir cette petite librairie. Parce qu'on peut... Après tout, qui sait ? Peut-être qu'il y aurait des récits qui ne seraient disques ici. Ça peut être intéressant. Qui compte aller à la librairie ? Moi, je pense que si vous allez à la librairie, je vais vous suivre. Je verrai l'historien peut-être une autre fois. Eh bien, avec plaisir, Maggie. Accompagnez-moi donc. Et vous Moi, je ne sais pas, soit le bar peut-être, histoire de voir un petit peu du monde et de se rafraîchir un petit peu. Le bar Le constable m'a l'air... Oui, bah passons au bar, voir si on peut récolter quelques informations et allons chez le constable plus tard. Je fais un petit signe à Ludwig, je fais peut-être pourriez-vous d'abord aller au constable, parce qu'après tout, le bar, je ziote un peu Vincent. Me semble être une mauvaise idée, vous voyez, il pourrait y avoir des gens dangereux. Je le regarde parce que j'ai clairement vu qu'il me fixait. L'incident de ce matin ne se reproduira pas, j'ai eu une perte de sang-froid. Mais bon, si vous aviez vu ce que j'avais vu ce matin et que vous aviez perdu un ami dans la même journée... Non, je ne doute pas de... Mais je ne suis pas alcoolique, si c'est votre crainte. Écoutez, merci, merci Maggie, en tout cas, de me soutenir avec ce rire. Je m'en fais pour vous, c'est tout. Oui, mais je comprends bien, James, mais ne vous inquiétez pas, je suis un grand garçon, je ne boirai pas plus que de raison et je ne boirai même tout simplement pas parce que la dernière bouteille que j'ai ingérée, je l'ai vomie. Donc ce n'est pas une bonne idée. Bon, eh bien écoutez, je vois que nous avons... bon, écoutez... Allez-y si vous voulez. On va faire. Vous en faites pas. Vincent, où vous sentez-vous d'aller ? Bah écoutez, on va prendre des informations au bar pour que vous puissiez voir certaines personnes. Et après, nous irons voir Francis, le constable ancien militaire. Je pense que je m'entendrai bien avec lui. C'est ça. On ira voir Francis juste après. On va d'abord passer un petit peu au bar. Bon, allez, on bar. Voilà, bah nous, la librairie. Et puis si on a le temps, si nous reste un peu de temps, peut-être aller voir cet historien. Ce serait bien, oui. Pour les quais, oui. Très bien. Vous allez, alors d'abord, je vais faire le groupe de la librairie, donc James et Maggie, vous êtes dans une ruelle assez rustique, hein, vraiment. Alors que tu es dans cette ruelle, Maggie, tu remarques que les hommes te regardent différemment que ceux du continent. Ils ne te voient pas, en fait, comme un bout de viande, comme une sorte d'appareil à pulsion. C'est limite s'il te calcule, en fait. C'est limite s'il te voit passer. Alors, t'as un homme avec un bon béret, assez bien habillé, un pêcheur qui passe par là et qui te lance un franc « Bonjour, madame !» et qui s'en va. Et c'est très étonnant, surtout toi qui es habitué en étant dans les milieux universitaires à un certain sexisme. Il ne te voit presque comme un autre homme, c'est-à-dire que James à côté passe comme toi. Ah bah c'est plutôt agréable du coup. Et vous arrivez à la librairie Harper, qui dénote un peu
dans cette ruelle. Elle est très très bien éclairée. Et lorsque vous entrez, vous entendez la cloche, une petite clochette qui signale votre entrée à la libraire. Et vous voyez ce qui semble être Helen Harper, debout sur une échelle en train de ranger quelques livres. Et elle vous salue. Première chose, déjà moi en rentrant, j'ai l'air un peu pas énervé, mais un petit peu goubon, parce que après tout, on a croisé quelqu'un dans la rue, il a dit bonjour à Maggie, certes, mais il ne m'a même pas reconnu. Moi, le célèbre James Langdon, c'est honteux. Humble, toujours humble. Alors que pourtant, ils ont une librairie ici, ils ont forcément des écrits sur moi. Quand tu rentres dans la librairie, Helen ne te regarde pas. Elle descend de son échelle et quand elle se retourne, elle te regarde et elle a un peu des étoiles dans les yeux et elle fait « Monsieur Langdon ?» Ah bah, enfin ! Enfin ! Ah ! Oui, c'est moi. Oui, vous... Ah, mais... Elle en perd ses mots, elle en perd son Molière et elle semble un peu... Enchantée. Moi, je soupire. Je soupire et je vais dans les rayons, dans la section archéologie, et alors, je me casse de là. Alors qu'Hélène est en admiration devant James, toi, tu vas dans les rayons. Et tu as donc deux rayons, un rayon à ta droite, un rayon à ta gauche, et tout au fond, tu vois un masque doré dans une vitrine. Ce masque est... Voilà, il est assez. Il dénote de la déco générale. Et juste au-dessus, tu vois une peinture avec ce qui semble être une. Sans doute, elle ressemble à Helen, donc ça doit être la grand-mère d'Helen. Et voilà, c'est. Mais ce masque est très riche, très. Particulier. Les livres qui sont autour sont d'une richesse de savoir assez particulière, mais. Ce masque-là, vraiment, il a une prestance, en fait. Donc, tu es dans les rayonnages, alors qu'Helen est toujours en train de dire « Oh, monsieur Langdon, vous êtes absolument génial !» Les gens disent que vous êtes un charlatan, mais enfin, comprendre. Ils n'y connaissent rien, après tout. « Oh, écoutez, vous avez l'air d'être une si fervente fan. Écoutez, je vous donne un petit secret, si vous voulez. J'écris un livre, actuellement. Oh » Oui, je sais. Heureusement que j'entends pas. Est-ce que vous voulez, pendant que je fasse un petit tour dans votre humble boutique, que je peux vous prêter le manuscrit pour que vous puissiez le lire en attendant, si vous voulez? Oui, bien sûr. Je peux même vous faire visiter. Vous savez, c'est une librairie sur une petite île, hein, monsieur. Mais bon, c'est... Oui, mais je ne doute pas que je trouverai des choses intéressantes, n'est-ce pas? Oui, la seule vraie chose intéressante qu'il y a est là-bas. Et elle pointe le masque doré. C'est un... Un Français, un gringalet bien, bien séduisant qui s'appelait... Elle cherche dans sa mémoire. Alexandre Dupré, je crois, c'était son nom. Et c'était un masque qu'il avait offert à ma grand-mère quelques années. Elle a paix à son âme. Et c'est tout ce qu'il y a vraiment de très riche là-dedans. Oui, mais voyons. Ne soyez pas humble, après tout... Vous m'avez reconnu, vous êtes forcément quelqu'un de goût, vous devez avoir des bons écrits, vous inquiétez pas. Oui. Je vais tout de suite faire le tour. Cette Helen m'a indiqué ce masque. Je vois que Maggie a l'air de le regarder avec attention. Je vais aller lui dire après tout, parce qu'elle a l'air d'être intéressée. Moi, j'ai appris quelque chose sur le masque. Je vais aller lui en informer. Maggie ? Oui ? Eh bien, écoutez, j'ai discuté un peu avec cette très chère Helen. très charmante dame. Elle est incroyable. Évidemment. J'ai appris que ce masque que vous regardez depuis tout à l'heure appartenait apparemment à un Français. Attendez une seconde, c'était Alexandre Dupré, je crois. Oui. Alors, personnellement, je ne connais pas, mais apparemment, c'est plus ou moins... Enfin, elle affirme que c'est plus ou moins la seule chose qu'elle a de valeur et de riche dans cette boutique. Bon, je dois avouer que le masque est très joli, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Bah, effectivement, oui, il est très joli, les détails. Surtout les détails de couture, les perles, les fils dorés. Je trouve qu'il est très, très beau, ce masque. Alors que vous regardez le masque, il est écrit, gravé en très belle écriture, la mention sur le haut du masque, dramaturge. C'est une pièce de théâtre ?
Peut-être que ça fait partie d'un... Ah, vous devez avoir raison, ça devait être peut-être le costume d'un personnage pour une pièce de théâtre. Peut-être que c'était quelqu'un d'important ou... Vous entendez derrière vous une petite voix qui vous dit « Videte nequisiat !» C'est ce qu'il disait quand j'étais enfant. Quoi ? C'est du latin ? Oui, ça veut dire « Personne ne doit savoir, personne ne devrait savoir. » Je ne sais pas, je ne suis pas latiniste, mais c'était ce que cet homme a dit à ma grand-mère et ma foi, c'est une belle locution, je pense. Et elle faisait quoi, votre grand-mère ? J'ai jamais trop su. Elle était... elle voyageait beaucoup. D'accord. Et qu'est-ce qu'il a de particulier, ce masque, du coup ? Rien de spécial, juste qu'il est très beau. Et, il est un peu flippant, parfois. Il y a des clients qui me disent qu'il change d'apparence. C'est ridicule, c'est un masque doré, quoi. Qui change d'apparence ? Non, mais c'est ce que les gens d'ici disent, mais enfin, vous savez... Écoutez, est-ce que ça vous dérange ? Parce que je vois qu'après tout, vous avez l'air beaucoup d'y tenir. Bien sûr, vous promettant d'y prendre le plus grand soin. Est-ce que ça vous dérange de le sortir de sa petite vitrine pour qu'on l'observe de plus près ? Elle est un peu hésitante, mais... Tu vois que c'est parce que tu es James Langdon qu'elle soulève la vitre très très délicatement. Merci beaucoup, ma très chère Hélène. Qu'elle prend deux morceaux de tissu et qu'elle le prend du bout des doigts. Et elle te le passe. Elle dit, c'est tout ce qui me reste de... Et elle le fait tomber par terre. Ah, très bien. Non, mais attention, vous pourrez me saler... Oh, excusez-moi. Oh non, c'est terrible. Le masque... est très lourd. Au point que le plancher craque sous son poids. Mais attendez, mais... Attendez, je vais vous aider à le remettre. Et... Mais comment vous arrivez à le soulever ? Il a l'air de peser un âne mort, votre truc, là. Je sais même pas comment quelqu'un peut le porter sur le visage. Quand vous le prenez, vous voyez qu'il n'y a pas de lanière derrière. Que c'est possiblement juste de la décoration et que c'est l'or qui coûte cher. Vu que c'est quand même quelque chose de précieux, je vais essayer de... les pousser un petit peu et je vais regarder est-ce qu'il a l'air d'être abîmé après tout ça. C'est de ma faute et ça ferait tâche dans la carrière de James Langdon qu'une chose aussi précieuse soit abîmée, voyons. Le masque n'est pas abîmé du tout. Il est même... la chute ne semble pas du tout l'avoir affecté. Mais écoutez, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce masque est solide, Hélène. Du coup, je le prends, je me permets de le prendre. De le regarder plus en détail, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier au dos du masque, peut-être ? Absolument pas. C'est un masque tout à fait... Alors, la mention dramaturge, tu te poses des questions, qu'est-ce que c'est que ça ? Mais en dehors de cette mention, tu n'as pas vraiment de tu n'as pas vraiment de comment dire, une particulière sensation le touchant ou quoi que ce soit. Oui, écoutez, Hélène, est-ce que ça vous dérange si je le passe à Maggie pour, après tout, regardez, il est solide. Bon, nous sommes désolés, du coup, de vous l'avoir fait tomber sans faire exprès, mais... Je vous en prie, pas de problème. Merci beaucoup, très cher. Non. Allez-y, Maggie, allez-y. C'est quelque chose que je ne connais pas vraiment, donc... c'est très joli, ça a l'air lourd, ça a l'air cher, mais j'ai pas grand-chose à rajouter sur ce masque. Oui, c'est vrai, je suis d'accord, c'est une belle pièce, mais au final, malheureusement, on n'en tire pas assez de valeur historique, si vous voyez ce que je veux dire. Oh oui, pas de problème, je ne sais moi-même pas d'où est-ce que ça vient, donc... Alors tu vois, à ce moment-là, que bon, bah... Elle est un peu prise au dépourvu, mais... T'as dit, il vous faut quelque chose ? Eh bien, écoutez, ça fait combien de temps qu'on est là, Maggie, vous avez sauvé le temps ? Excusez-moi, j'ai pas vu le temps passer. Ça fait une demi-heure, une petite demi-heure. Une demi-heure ? On est loin du quai ? Une dizaine de minutes. Ok, c'est bon. Alors, on va voir. Alors déjà, je vais remettre le masque en place. Et personnellement, alors Maggie, je ne sais pas pour vous, je vais faire un tour très rapide de la boutique.
voir s'il n'y a pas un livre ou deux qui m'intéresseraient avant de les acheter. Mm-hmm. Et puis après, je vous propose d'aller voir. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Eh bien, allons-y.